devant toute une déferlante de pensées, que ce soit à l'intérieur des gens ou à l'intérieur de toi, c'est pareil. Oui. Tu vois, les gens pensent et toi aussi tu penses. Déjà, les pensées qui sont toi, c'est la même chose. C'est la même chose. Ben, tu te juges toi-même avec ces mêmes pensées-là. Donc déjà, tu n'as pas besoin d'être avec eux. Il faut que tu restes avec toi pour voir tes pensées. Parce que ces pensées qui sont là, elles ne sont pas à eux. Ça appartient à l'humanité. C'est toi-même qui écoutes ce que tu... La dictature. Tu as une dictature en toi qui te dit comment faire, comment courir, comment fuir. Elle t'explique, il te fait peur. Et c'est ça que tu écoutes tout le temps. Tu as peur de qu'on découvre ce que tu es vraiment. Donc il faut que tu mets un écran tout le temps devant l'autre là. Ben justement, s'il y a embarquement, il n'y a pas d'écran. Ah, justement. Quand tu mets un écran devant l'autre, c'est que tu n'es plus attentif. Alors l'écran, c'est pas un barrage alors. En fait, c'est que tu as peur d'être vrai. Parce que quand tu es vrai, tu es vulnérable. Et ce qui te fait peur, c'est que tout le monde va venir en profiter. Donc tu te méfies. Tu fais une carapace. Parce que s'ils te découvrent tel que tu es, ça veut dire que tu n'as aucune liaison avec eux. Et ce que tu veux, c'est la peur de ne pas exister au regard de ces gens-là, au regard de l'autre. S'il n'y a pas cette existence, eh bien, qui tu es? Et c'est tout ça qui fait le problème. En face d'eux, tu as peur de rien être. Rien, c'est quoi? C'est de l'énergie qui est libre. Elle n'a aucune liaison avec la pensée. Tu es libre. Libre. Ça veut dire que tu es rien, tu es libre de tout ce que tu peux entendre. Parce que tu n'es identifié à rien. C'est ça être rien. C'est de ne pas s'identifier aux gens, aux choses, aux objets, à l'affection, à tes conclusions, tes envies, tout ça, tes demandes. De ne pas t'identifier à ça. Parce que si tu t'identifies à ça, tu deviens quelque chose qui existe par rapport à ton identification. Si je dis ça, c'est mon compte en banque, je me suis identifié à mon compte en banque. Et je suis mon compte en banque. Il arrive quelque chose à mon compte en banque, c'est moi qui souffre. Tu comprends? Donc, pour être rien, il faut avoir aucune identification. Si elle te dit quelque chose d'intéressant et que ça t'intéresse, tu es identifié à ce qu'elle a dit. Je parle de quelqu'un, quand tu vas voir quelqu'un, tu n'as aucune identification avec cette personne, avec tout ce qui se passe autour de toi. Ok, quand je te dis que la pensée, c'est ton passé. Est-ce que tu acceptes juste le mot, la pensée et le passé? Il faut que tu ailles regarder. Il faut que tu voyes ça. Ça veut dire que tout ce que je dis, il faut que tu le voyes. Il ne faut pas que tu adhères. Tout ce qui se passe entre nous ne doivent pas rester des phrases et des mots que tu dis d'accord. Parce que ça, c'est facile. Oui, il faut intégrer, comprendre. Ouais, il faut que ce soit ton intégration. Ton expérience. Oui. Quand je te dis que j'observe, moi, je vois, ça te fait une belle jambe. Tu peux me dire oui, 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 qu'à la fin. Si tu ne te poses pas la question de ce qui se passe, ça veut dire que tu es une marionnette. Ne pas être identifié à l'autre, à tout ce que l'autre dit, et gober. Non, mais sans gober, tu es quand même à l'écoute attentive, donc tu es, comment dirais-je? Mais comment tu peux être embarqué quand tu es attentif? Quand tu écoutes une histoire, tu sais l'enfant à qui tu racontes une histoire, peu importe l'histoire,
tu racontes l'histoire. L'enfant, il écoute. Il a l'histoire. Il écoute et il connaît l'histoire. Ça ne veut pas dire que l'histoire, il est dans l'histoire. Il a vu l'ensemble de l'histoire. Et quand tu vois ça, tu connais la vérité. Si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Mais tu écoutes, tu es respectable. Mais quand tu connais la vérité, il n'y a rien qui t'embarque. Les mensonges ne t'embarquent pas. Il n'y a personne qui peut t'embarquer. Ça veut dire que t'es pas présente. Mais si tu es présente, tu vas dire, ah non. Mais il semble que tu veux faire plaisir tellement, tu es prêt à dire oui pour n'importe quoi, que tu n'écoutes plus. Et cette façon d'être là t'empêche de voir la vérité. Tu n'écoutes pas la vérité. Tu écoutes la personne. Tu es pris dans ce qu'elle dit, et ce qu'elle dit, c'est de l'or. Parce que tu as peur de la blesser. Tu as peur de ne pas trouver l'apothéose. Et tu es prêt à prendre ça de n'importe qui. Mais moi, je te dis, il n'y a personne qui peut te le donner. Tu dois le faire pour toi-même. Et c'est ce que tu ne fais pas. Tu attends. Et c'est ça qui te fait embarquer. Parce que tu attends quelque chose. Tu n'es pas là. Tu n'es pas inquisitive. Tu gobes. Excuse-moi de te dire ça, mais je ne veux pas te blesser. Mais ce qui se passe, c'est que quand tu es là, présent, tu tiens sur tes deux pieds. Tu es maître. Il n'y a personne qui est maître de toi. Pourquoi les gens t'embarqueraient? Mais c'est-à-dire que ce n'est pas évident hein, toutes les fois. Mais sinon, toutes les fois, comment? Mais toutes les fois, il n'y a pas les toutes les fois. Il y a juste la foi. Il y a juste là maintenant. La vie, c'est quelque chose de merveilleux, à condition que tu es prête à te tenir sur tes deux jambes, n'ayant aucune béquille. Ne cherchant personne pour te consoler et pour te faire emmener où la merveille est. Il n'y a personne qui peut t'emmener là. Tes amis n'ont rien à te donner. Qu'est-ce que tu vas chercher? Embarquer, ça veut dire que je veux prendre quelque chose. Ils n'ont rien pour toi. Donner ta collaboration, ça c'est bien. Mais... laisser la vérité pour accepter le mensonge, ça c'est pas bien. C'est mal. Le mal, tu sais, on disait que est-ce que le mal et le bien existent là? Hein, ça, y a pas de mal et pas de bien. Mais ça c'est mal. Le mal, c'est quand tu n'as pas su être toi. Parce que quand tu es toi, qu'est-ce qui peut t'ébranler? T'es déjà arrivé ça dans ta vie, d'être vraiment toi. Il n'y a rien qui t'ébranle. Mais c'est comme je te dis, il y a des fois où ça n'arrive pas. Non, il n'y a pas de des fois. Il y a la compréhension de ça. Si tu as cette compréhension-là, il n'y a pas de des fois. Il y a la vie qui se mène. Dans la clairvoyance. C'est tout. Autrement, ça... tout le monde fait ça. Ce que tu dis là. Des fois, oui, des fois c'est bien. Hein. Mais tu sais, la plupart du temps, c'est pas bien. Si tu regardes sur l'échelle, hein, dans mes relations, combien de fois c'était bien, hein, 99%, c'est pas bien. C'est parce que si tu te laisses embarquer, le capitaine, c'est bien tes pensées et les pensées de l'autre qui conduit ton bateau et qui t'emmène. Parce qu'il n'y a personne au gouvernail. Ton gouvernail, il n'y a personne. Tu laisses prendre mon gouvernail parce que là je sais pas où aller moi. Fragile, je connais pas trop. Ben je te laisse conduire un peu. Parce que peut-être que tu vas apprendre quelque chose. Tu veux que quelqu'un te donne quelque chose. Et tu n'as jamais expérimenté. Tu veux pas te tenir sur tes deux pieds pour toi-même. Parce que tu es responsable de toi. Il y a personne qui est responsable de toi. Moi je suis pas responsable de toi en tout cas. Ben non, j'ai pas dit ça. Non, j'ai pas dit que tu as dit ça. Je dis que
je ne suis pas responsable de toi, c'est tout. Que tu aimes ou pas, c'est pas grave. Que ce que tu penses ou pas, c'est pas grave. Mais moi, je te dis, il n'y a personne sur cette terre qui est responsable de toi. Non, mais j'attends pas de responsabilité. Si tu es embarqué, c'est que tu attends quelque chose. Oui, mais pas forcément une responsabilité. C'est quoi être embarqué? Quand tu rentres dans l'autre sans barrière pour toi, si on peut dire. Mais si tu as des barrières? Ben, tu vois les choses venir. Pour pas être embarqué, il faut être serein. Pour pas être embarqué, il faut être soi. Pour pas être embarqué, il faut connaître ce qui se passe. Pour pas être embarqué, il faut se connaître soi. Et avoir inspecté au plus profond de toi qui tu es. Quand tu ne te connais pas, ok, tout embarque. Il n'y a pas grand chose à faire, juste te connaître. Savoir qui tu es. Si tu ne sais pas qui tu es, si tu ne connais pas tes capacités, si tu n'es pas dans ce silence serein, tout peut t'embarquer. Parce que ce silence serein, quand tu es dans ce silence serein-là, écoute bien, tu n'as plus besoin de rien. Quand tu n'es pas dans ce silence serein, tu cherches ce silence serein. Tu cherches le bonheur, tu cherches la paix, tu cherches quelqu'un qui va te porter ça à travers ce que tu aimes, ton environnement, tes amis, l'affection que tu auras, tout ça. Tu cherches ça que tu n'as pas. Et tu crois que tu peux le gagner quelque part. Et moi, je te dis que si tu n'as pas pris ça toi-même, tu n'es pas cette chose toi-même, personne au monde ne peut te le donner. Et tu seras toujours embarqué parce que c'est ce que tu veux. C'est ce que tu cherches. C'est ce que tu aimes. C'est ce que tu voudrais. Et tu es angoissé de l'avoir. N'importe qui peut te dire quelque chose et tu veux ça. Oui, d'accord, donne-moi. Comment je fais? Dis-moi comment je fais, j'aimerais prendre. Et il n'y a rien à faire. Le problème, il n'y a pas de comment faire. Parce que ça, c'est une méthode. Tu es déjà ça. Mais tu n'es pas là. Tu es toujours en train de chercher quelque chose pour avoir ça. Et cette cherche-là, c'est ton esprit qui vogue partout à chercher. Il est embarqué parce qu'il n'a pas de stabilité. Il n'a pas de racines dans le silence. Ses racines sont dans la cohue, dans la confusion, dans la demande. Mais jamais il y a quelque chose qui se donne. Quand tu vas commencer à donner, ça veut dire que tu seras dans cet endroit-là. Et tu n'auras plus besoin de rien. Et là, tu n'as plus de demande. Ça veut dire que tu es calme. Ton esprit est calme. Il n'a pas besoin de rien. Donc il ne va pas chercher quelque chose dans l'autre où il n'y a pas. L'embarquement, c'est ça. Embarquer avec la perspective que dans l'embarquement, il y aura quelque chose à gagner. Inconsciemment, que tu aimes ou pas, c'est ce que tu fais. Parce que tu n'as pas connu cette chose immuable, laquelle va te donner toute cette paix en toi. Et cette paix-là ne s'attrape pas, c'est pas quelque chose que tu prends, ça. Il n'y a personne qui peut te la donner, il faut que tu l'aies toi-même. C'est là. Combien de temps tu vas courir derrière? Combien de temps? L'humanité l'a fait depuis des millions d'années. Ils te font encore des millions d'années? Non, maintenant, c'est maintenant. Elle est là, c'est toi. Cette chose, c'est toi. Il n'y a rien à prendre nulle part. Mais si tu ne sais pas ça, eh bien, tu vas vouloir que quelqu'un te le donne. Tu attendras tout le temps. Tu seras toujours désespéré, toujours dans l'embarquement, dans la tourmente de quelque chose que j'ai besoin pour être heureuse.
Il n'y a rien. Il n'y a rien qui va te donner ça. Non, c'est sûr que le travail, c'est soi-même. Mais... Alors, quel travail? Quel est ce travail? D'être présent religieusement. Sans compter sur personne. Faut que ce soit un fait. Est-ce que c'est le fait? Non, parce qu'il faut que tu cherches en toi. Il faut que tu te connaisses pour pouvoir dire la vérité. Alors, quel est le fait en toi? Est-ce que tu as déjà été en toi pour voir ça? C'est quoi le fait? Le fait. Est-ce que c'est vrai ce que tu dis? Ou bien c'est quelque chose que tu connais et que tu répètes? Il faut que tu vives avec les faits, pas avec ce que tu connais, pas avec ce que tu répètes. C'est ça notre problème. Toute l'existence, toute notre vie. On parle de Dieu, on parle d'amour, on parle de tout ça. Mais on ne fait rien. Regarde le fait en toi. Qu'est-ce que tu vis vraiment? Tu te racontes des histoires. Tu dis des histoires. Il y a un silence là, ouais, j'aime bien ça, il faut que j'arrive à là. Mais est-ce que c'est un fait? C'est juste un truc dans ta tête. Et tant que c'est comme ça, ben bien sûr, tu vas te faire embarquer. Quand tu n'es pas vrai avec toi-même, quand tu es illusionné par ce que tu racontes, tu vois, tu es illusionné par ce que tu as dans la tête. Tu as une grande connaissance, mais tu la vis pas. Tu vois? Alors, aimer, c'est oublier tout ce que tu connais et ne rien savoir. Et là, tu es présente. Et ça, tu peux faire ce que tu veux, tu peux l'écrire, tu peux le noter sur tous les cahiers, plus belles phrases comme ça. Ce ne seront que des phrases. La réalité, c'est ça que tu as besoin. La réalité de cette chose-là. Arrête de t'illusionner, de te raconter des histoires. Tu vas rencontrer des gens, pourquoi? On s'en fout de tout ça. On s'en fout de tes amis, tes amants, tes fils, tes parents, tout ça. On s'en fout de tout ça. Ce que tu dois savoir, c'est qu'est-ce que tu vis là? Ou ce sont des idées? Tu sais, un tableau. Le tableau d'une belle montagne reste le tableau d'une belle montagne. Que ce soit le plus grand artiste qui l'ait fait, ça reste un tableau. La montagne n'est pas la montagne. Il s'agit de la vraie, pas d'une image. Tout ça, c'est de la gnognotte. C'est beau, c'est... Tu comprends? Mais la réalité, elle est où? La réalité, elle est bien, bien, bien plus profonde que ça. C'est ça. Parce que notre intellect, notre connaissance, ne nous permet pas d'abandonner tout ce que tu penses que tu devrais être. L'image. La croyance. De comment les choses... Ça, c'est une croyance, finalement. Quand tu ne vis pas, c'est une croyance. Tu crois. Hein? Oui, c'est voilà. Parfait, c'est une croyance. Tu as une autre religion, toi. Tu as inventé une autre religion. Ta religion à toi. Tu vois? C'est que tu crois en quelque chose. Mais demain. Mais toi, il s'agit de vivre. Tout ce qu'on a dit, là. Il s'agit que ce ne soit pas, ce ne reste pas dans les placards. Quand ça ne reste pas dans les placards, quand c'est vécu, t'es plus embarqué. Du tout. Marie-Paul, tu comprends bien. Du tout. Est-ce que tu peux le voir, ça? Si tu es toi, ça coule de source. Si tu es toi, tu peux pas être autre chose. Mais tu es habitué à être autre chose. Tu attends, tu veux, tu demandes, tu veux comprendre, tu veux percer le mystère, tu veux
aller quelque part, rencontrer le sublime. Tu veux tout ça. Et c'est sûr que tout t'embarque. Parce que tu veux. C'est seulement quand tu veux plus. Quand tu vis la chose, tu n'as plus besoin. C'est pas logique ça, non? C'est la plus grande logique qu'il y a sur Terre. Et ça, c'est notre nature. Pourquoi on n'aime pas? Pourquoi on n'aime que soi? Pourquoi on ne va pas dire aux autres qu'on les aime? Parce qu'on est occupé avec ça, tout simplement. Il n'y a que ça qui t'intéresse. L'illusion. Mais la réalité, hein, je sais, c'est trop compliqué ça. Il faut abandonner. Je t'ai dit renonce. Pas dit ça déjà, une fois? Renonce. Renonce à tout ça. Quand tu renonces, tu n'as plus besoin de rien. Parce que tu as renoncé. Mais elle ne va pas le reprendre. Renonce complètement. Pour de vrai. Toutes tes idées. L'idée. Renonce à l'idée. Vis la chose. Et là, tu vas être quelqu'un d'invraisemblable. Parce que tu deviens le sel de la terre. Mais en ce moment, c'est toi qui cherches le sel. Et alors qu'il n'y a personne qui n'en a. Je cherche quelque chose là. Je cherche à ne pas être en bas. On est pris dans une stupidité. La stupidité de nous-mêmes, en fait. La stupidité de notre croyance. Je dis stupidité. Parce qu'il y a stupidité et il y a intelligence. Il y a être et ne pas être. Entre les deux, il y a conflit. Est-ce que tu es dans ce paradoxe-là? En toi, il y a conflit. Être, pas être. Être, pas être. Être, pas être. C'est ça qui fait le conflit en nous. Toutes les souffrances qu'on a, c'est ça? Être? Non, pas être. Ah, être? Ah, ah non, pas être. Pas être. Être, pas être. Tu vois, ça se passe en nous comme ça. Constamment. Chaque instant. Et ce mouvement-là, il faut que tu ailles le voir. Parce que quand tu vois ça, t'as tout compris. T'as tout compris que tout ça, c'est de l'illusion. La recherche, le vouloir, le arriver quelque part, tout ça, c'est, il n'y a rien de vrai. Ouais, c'est un mécanisme d'illusion. C'est de l'illusion de la fumée. La fumée qui fait comme ça, là, tu vois. Mais oh, merde, oui, ma fumée. L'illusion crée en nous le besoin de quelque chose qui n'existe pas. D'accord? L'illusion crée en nous quelque chose, le besoin de quelque chose, que quand tu vas arriver devant, quand tu vas le prendre dans tes mains, eh ben, elles vont couler comme ça. Parce que c'est quelque chose de goût. Ce n'est pas naturel. Il n'existe pas. Il est fabriqué, donc il a un début, il a une fin. Et il aura sa fin. C'est ça l'illusion. L'illusion, tu ne peux pas la garder comme réelle. Tu dois voir l'illusion, pour savoir qu'il y a le réel. Mais si tu restes dans l'illusion, tu vas toujours être avec l'illusion. Tu vas même le ravifier. Encore un petit peu plus de fumée. Waouh, un petit peu plus de machin. Ah tiens, j'ai quelque chose, les gars. Regarde. Attention. J'ai quelque chose. Mais t'as rien du tout. T'as rien. C'est juste de la futilité, des idées qui courent partout. Ça n'a rien à voir avec la vraie chose. Et cette vraie chose, c'est toi. C'est ce que tu es. Et tu as l'idée de ce que tu devrais être. Tu vois? L'idée de devenir ce que tu as toujours rêvé. Être.
C'est pas comme ça que le monde fait aujourd'hui. Ils ont l'idée d'un bonheur. Ils rêvent. Et c'est ce qui les intéresse. Et quand ils arrivent devant, ils pleurent. Parce qu'il n'y a rien. Dis qui je veux, je me suis fait embarquer. Tu vois? Il n'y a rien. S'il n'y a rien de concret, c'est que de l'idéal. Tout ce que j'ai entendu, je m'en suis fait une image. C'est pas comme ça qu'on fait? Je me suis fait une image. Et cette image-là, je l'adore. Je l'adore. Tu te prosternes devant ton image. Tu prosternes devant l'illusion. C'est pas comme ça qu'on fait? On fait des statues, on fait des belles cathédrales, avec notre pensée, on taille la pierre et tout ça, puis on adore. Oh, c'est beau. En fait, tu t'adores toi-même. Tu adores ce que tu fabriques. Tu adores ton illusion. Tu adores ta propre fabrication. Tu deviens orgueilleux. Tu dis, regarde ce que j'ai là. Attention, moi. T'en as pas, toi. Mon illusion. Il faudrait respecter quand même. Hein. Mais au fond, quand tu as tout ça, tu te retournes. Après, tu regardes des gens qui te regardent avec tout ton attirail là. Tu te sens seul. Tu regardes un coup, tu dis merde, t'es aucun affaire là. Mais toi, tu sais, au fond. Mais tu veux pas le montrer parce que tu as peur que quelqu'un te dise que ce que tu as là, toute ta vie, ce que tu as fabriqué, toute ta connaissance, c'est la gnognotte, mon gars. Et tu as peur que quelqu'un te dise ça. Donc tu tiens ça et tu la formes, tu la ranges, tu la dépoussières un petit peu. Avec le passé, ça s'est terni un petit peu. Tu dépoussières. Aujourd'hui, là, ben, je vais faire quelque chose d'extraordinaire. Là. Je vais aimer. Bon, comment je vais faire? Il y a une méthode. Attention, je me lève, je réfléchis, je mets mes pensées, je fais du yoga, je fais ceci, cela. Et après, je vais aimer. Après, premier petit problème là. Oh, je rentre à la maison là, mon Dieu Seigneur, trop difficile là, mon Dieu Seigneur. Mais c'est pas ce qu'on fait. La plupart des gens font ça. Ils vont travailler, ils vont voir leurs copains. Copains les emmerdent, ils rentrent à la maison, ils s'enferment. Tu comprends? Parce que personne ne peut rien te donner. Personne sur cette terre va te donner ce que tu as besoin de vivre, en tout cas. La vie, c'est pas la vie que tu devrais vivre. Ce qu'il y a à vivre. Voilà la différence. Donc, ne regarde plus ce qui devrait être. Reste avec ce qui est. Là. Parce que tu es ça. Tu es ça, là. Et c'est la vie qu'il y a à vivre. Aucune autre chose ne fera l'affaire. Toute autre chose, c'est de l'illusion. C'est du passé. C'est de la projection dans le futur. On en revient toujours à la même chose. C'est qu'il faut être là, présent. Et ne rien chercher d'autre. Accepter. Tout. Être conscient de ce qui se passe. Que ce soit bien, mal, gentil, vilain, beau, gras, maigre. Accepter ce qui se passe. Et ne pas aller faire de l'illusion pour dire ça c'est l'idéal, c'est là que je veux aller. Parce que quand tu fais ça, ben, t'es plus là. Et quand tu es là, ben, tu peux créer. Tu peux créer la beauté.
Tu peux créer la beauté, l'ordre, dans le désordre. Quand tu es là, tu ranges ta maison. Et ça, c'est l'existence que tu dois vivre. Tu dois faire le ménage, mettre de l'ordre. Pas aller avoir la vision de l'ordre. La vision, elle te donnera rien. Faut que tu le fasses toi-même, ma fille. Cet ordre-là, quand tu es là, eh ben, elle arrive automatiquement. C'est de la grâce. Mais parce que tu n'as pas cette grâce-là maintenant, tu vas chercher quelque chose. Mais la grâce vient quand tu es là, quand tu restes là. Quand tu restes avec ce qu'il y a. Quand tu ne te fais pas d'illusions. Quand tu ne vas pas chercher quelque chose qui n'est pas là. Et que tu veux. Tu veux maintenant. Café instantané, l'amour instantané. Tout ça, tu sais, ça fait instantané là. Modernisme. On t'a mis ça dans la tête. Si tu peux avoir ça maintenant. Ce que tu vis fabrique l'ordre. Quand tu vis l'ordre, quand tu vis cet instant, cette grâce, cet instant sublime où tu as tout accepté. Tu as tout accepté, tu n'as rien dans ta tête, tu n'as pas d'illusion. Eh bien, tu fabriques la vie. Et c'est toi qui fais ça. Personne d'autre ne peut faire ça pour toi. Fabriquer ta vie. Pas fabriquer ta vie avec l'illusion. Fabriquer avec la vie avec le fait. Avec la vie que tu as là. Dans l'instant présent. Parce que si tu ne vis pas ça là, cette vie dans l'instant présent là, ben qui est là? S'il n'y a personne qui vit ça. Ben c'est la pensée. Hein? C'est la pensée. Ouais. Ouais. Il n'y a rien non plus. Oui, c'est l'illusion. Voilà. L'illusion contrôle tout. Donc, on dit que l'illusion, c'est quelque chose. D'accord? L'illusion, c'est quelque chose, puisqu'il est fabriqué par la pensée. La pensée qui est matérielle, elle fabrique l'illusion. Ok? Mais quand il n'y a pas tout ça, puisque c'est de l'illusion, ça veut dire que c'est rien aussi. Que ça n'existe pas. Que c'est inventé. Ok? Et toute cette activité de faire quelque chose pour paraître, ok, empêche ce qu'on appelle le rien d'être. Parce que c'est quelque chose, on a fait quelque chose, on est rempli de ce quelque chose. Toute notre vie, elle est occupée à ce quelque chose. Fabriquer notre bonheur. Ça n'existe pas. C'est pas vrai. Voilà. Mais pourquoi on croit? Pourquoi on veut absolument faire ça? Il faut se poser la question, pourquoi? Parce que tu seras toujours dans l'illusion autrement. Tu sais pourquoi? Tu réfléchisses. Je vais pas te le dire quand même. Non, je vais pas tout te dire quand même. Parce qu'il faut que tu trouves. Tu vas percer ça. Et les raisons sont évidentes. Quand tu as vu tout ça, là, c'est évident. Parce que tu vois clair.
puisque tu n'es pas dans l'illusion. L'illusion, c'est ça te cache la réalité. Ça te cache de voir. Tu ne poses plus de questions, tu ne questionnes plus, tu ne dis pas comment, pourquoi les choses sont comme ça, pourquoi je vis comme ça, pourquoi je suis dans cette condition-là. C'est quoi cette condition? Ça vient d'où? De quelle racine? Tu ne poses plus de ces questions-là, puisque tu es dans ton rêve. Oui, tu es occupé. Ouais, tu es occupé. Arrivé. Donc, tu n'es pas clair. Tu n'es pas clair. Et quelqu'un te dit, ben, pose-toi des questions, comme ça tu seras plus clair. Et tu te dis, mais quelles questions? Parce que tu n'es pas clair. Tu ne sais même pas quelles questions poser. Donc, tu tournes en rond. Et quand tu tournes en rond comme ça, qu'est-ce qui se passe? Au bout d'un moment, tu baisses les bras. Tu acceptes ton sort. Et tu vis avec. Et tu dis, c'est ça la vie. C'est ça, l'illusion. Je vais chercher tout le temps maintenant. Je vais toujours chercher comment faire pour être heureux. Toute ma vie, ce sera comme ça, comme ça, comme ça. Toute ta vie, tu veux être heureux. Et tu mets ton pied dans la tombe. Tu dis, merde, j'ai fait tout ça, j'ai essayé. J'ai pas compris. Mais maintenant, c'est trop tard. La vie, elle est là. Tu es embarqué dans tout un système, tu vois, que tu as inventé pour pouvoir te sortir, tu vois, de système que tu as inventé. Hein, tu comprends? Hein, tu fabriques quelque chose, ok? Tu fabriques ta prison, tu t'emmures, et des murs comme ça, tu montes les murs, puis après, ben comment je sors, moi? On s'emprisonne soi-même. Tous nos préjugés, nos envies, nos désirs, ce sont les murs qu'on monte, qui nous empêchent de voir la réalité. Il faut se débarrasser de tout ça. Laisse ça tomber. Un désir, c'est quoi? C'est quoi un désir? Pourquoi on a des désirs? Un désir, ça fabrique quoi? Ça fabrique quelque chose? Au bout du désir, il y a quoi? Il y a l'envie. Donne-moi quelque chose là. Je veux ça. Désir. Que ce soit le désir d'une voiture, d'une femme, d'un enfant, de tout ce que tu veux. De Dieu, tu vois, désir, tu désires. Ce désir-là crée justement toute ton illusion. Toute ton illusion, elle est dans ton désir. Apprends à ne pas avoir de désir. Comment tu fais pour ne pas avoir de désir? Comment tu fais ça? Pour ne pas avoir de désir, comment tu fais? Tu mets une ceinture de chasteté? Ou tu vas t'enfermer dans un monastère? Hein? Non, il faut que tu les regardes. Il faut que tu les connaisses. Il faut que tu saches ce qu'il y a, comment elle fonctionne. Il faut que tu regardes. Elles ne vont pas disparaître. Le désir, c'est partie intégrante de toi. Tu en auras toujours. Mais si tu ne les comprends pas, tu seras embarqué avec.
tu vois. C'est toi le maître. C'est toi, tu dois être maître de toi, ma fille. Tous ces désirs, ces histoires que tu te racontes, tout ça. Ça, c'est ça, ça s'appelle être embarqué. Mais qui est le maître? Est-ce que tu es esclave de ton désir? C'est une question, hein, pour savoir. Une question qu'il faut se poser. Est-ce que je suis esclave de mon désir? Tu t'es jamais posé cette question-là? De savoir si tu étais esclave de ton désir? Et quel désir tu as? Est-ce que tu sais c'est quoi un désir? Ben regarde. Regarde. Inspecte. Observe ce que c'est un désir. Et vois si tu n'es pas esclave de ce désir. Tu sais, c'est normal que tu aies des désirs. Hein? Je ne suis pas en train de dire, tu sais, il faut être une sainte nitouche. Tu comprends? C'est le désir, on a tous des désirs. Okay, notre corps est fait de désirs, tu sais. Tu mets là, c'est bon, donne-moi encore. Tu sais, désir. Tu vois quelque chose de beau, ah, ça c'est bien ça, je veux encore ça. On a un paquet de sensations, un paquet de désirs. Tout notre être est fait de désirs. Mais si tu comprends pas ça, il va te bouffer la vie. Il va te bouffer la vie. Il va t'embarquer. Tes désirs t'embarquent. Tu es esclave de tes désirs. Va voir ça, Marie-Paul. Pour toi-même. Pour vérifier ce que je dis. Tu vérifies. Tu vérifies, hein. Pendant qu'on parle, là, vérifie. Pas juste des mots, et puis... on vérifie. Parce que c'est notre sauveur, c'est nous-mêmes. Parce que quand tu comprends tout ça, quand tu vis tout ça, quand tu touches tout ça, vraiment, tu touches le corps de tout ça, ben, tu deviens quelqu'un de très alerte. Tu n'es pas quelqu'un qui gobe n'importe quoi. Tu es respectueux, tu écoutes, tu comprends l'histoire entière. Toute l'histoire, tu as là, en face de toi. Tu as bien compris tout. Et dans cette histoire-là, tu vois ce qui est vrai. Parce que tu connais, toi, la vérité. La vérité, c'est toi. Et quand tu as cette vérité-là, eh bien, rien ne peut te leurrer. Parce que tu sais écouter déjà. Tu sais discerner. Et tu es présent pour le faire. Et tu ne te laisses pas embarquer. Par des choses qui sont futiles. Parce que tu es sur l'attaque. Tu es prêt à... Tout ton être là est sorti. Il n'y a plus rien qui rentre. Il n'y a plus rien. Tout est comme ça. Et ça, c'est le secret. T'as une clé là. T'as une clé. Ne rien prendre. Seulement ce mouvement extérieur. Ça, c'est l'énergie que tu as. Ça, c'est ta vraie nature. Il n'y a rien qui rentre. Tu es la source, tu donnes. Tu n'as besoin de rien. Mais comme dans mon cas, quand je suis en train d'écouter là. Ouais. Mmh. Je ne peux pas refuser. Enfin, je prends. Même tu prends si, quoi? Même si tes enfants. Non, tu prends rien du tout. Tu es... Non, quand tu écoutes tout. Et tu vois c'est quoi la vérité. Parce que la vérité, c'est toi. Et cette vérité-là, que tu vois là,
c'est pas quelque chose que tu peux prendre. Parce que c'est déjà toi. Il n'y a rien à prendre. Il n'y a rien. Tout est à donner. Quand tu as ce cœur de vérité, tu rencontres la vérité dans l'autre. Et cette vérité qui se rencontre là s'appelle la communion, où personne ne prend. Grande liberté. Une liberté extraordinaire. Tout est dans un mouvement de donner. Tout donne. Là-bas donne, ici donne. Ça fait que personne ne manque de rien. Mais si tu veux, tu prends, l'autre là-bas prend, tout le monde va manquer. C'est pas comme ça qu'on fait. L'humanité, c'est pas comme ça. Tout le monde ne veut pas quelque chose. On veut tous le bonheur. On veut prendre, prendre, gagner. On cherche qu'est-ce qui nous manque. On fait pas ça tout le temps. Toute notre vie, on fait pas ça. Il n'y a rien à prendre. Parce que quand tu prends, tu détruis. Le monde va à sa perte. À cause de cet égoïsme. Le centre, moi, je. Mon désir. Mon envie. Je vais rencontrer Dieu. Je vais faire ci, faire ça. Tu vois ? Ça, ça détruit l'humain. T'as pas vu depuis des millions d'années ? C'est comme ça, hein ? Et il faut qu'on fasse un marché inverse. Pour établir l'ordre. Que tout se donne. Sans rien demander. Alors cherche qu'est-ce que tu veux prendre. Et vois que c'est de la futilité. Cherche qu'est-ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux ? Ça veut dire qu'il faut que tu t'arrêtes. Toute l'activité que tu es, qui veut, qui demande, qui voudrait arriver quelque part, doit cesser. C'est trop dur ce que je dis. Non, non. Je viens pas trop au bord. Non, on va pas tous tomber là dans un précipice. Parce que tu vois, l'ampleur. L'ampleur, c'est que on est tous à côté de la plaque. Oui, mais s'il faut aller là pour amener la compréhension. Oui. Il faut pousser jusqu'à. Oui, 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 oui. Si la compréhension ne se fait pas. Si la compréhension ne se fait pas, c'est parce qu'on n'écoute pas. Ça ne nous intéresse pas. On veut quand même prendre. Ça ne nous intéresse pas de donner. Parce qu'il n'y a rien de satisfaisant, il n'y a rien à gagner. C'est molle. Pas une petite satisfaction, pas un petit réconfort, rien. Même pas un petit carré de chocolat. Pour me faire plaisir, moi, je suis seul. Tu vois ? Même pas ça ? Rien. Qui veut faire ça ? Qui veut faire ça ? Celui qui veut faire ça, je pense que c'est celui qui a goûté à quelque chose. Et qui sait que c'est bon. Il a déjà goûté à quelque chose. En secret. Au fond de lui. Et là, il veut le faire. Tu vois ? Mais si tu aimes trop ces choses-là, c'est parce que tu ne connais rien d'autre. Et tu vois, cette chose-là, elle n'a pas de commencement. Elle n'a pas de fin. C'est ce que tu es. Tu es l'esprit qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. La vie est éternel. Et c'est ça qui est tout le temps en effervescence. C'est cet esprit-là qui est tout le temps en train de sortir, donner. C'est la source de l'univers. Elle crée, elle forme, elle étale, elle donne la beauté, elle met l'ordre, elle arrange, elle fait ça. Elle demande rien. Et c'est toi, c'est ta nature. Mais on t'a appris, non, fais pas ça. Il faut que tu aies un petit carré de chocolat quand même. Tu fais pitié, toi. Non ? C'est pas ce qu'on se dit ? Non ? Vraiment. Moi, je sais que c'est comme ça. Et quand tu sais que c'est comme ça, tu peux faire quelque chose.
C'est quand tu acceptes que c'est comme ça. Que c'est la vie que tu as vécue. C'est la vie que tu connais. C'est la vie que tes pensées te font faire. Quand tu sais que c'est comme ça, tu peux faire quelque chose. C'est accepter. Je te disais hier, accepter le pire de ce qu'on est. Et l'aimer. Aimer ce pire. Aimer tes peurs. Aimer ton hypocrisie. Prends ton hypocrisie dans tes mains. Mon petit chéri, t'inquiète pas. On va s'occuper de toi. Bien connaître l'hypocrisie, tu vois, que tu as. Ça demande beaucoup d'humilité. Parce que personne ne veut reconnaître ça. Tout le monde renie. Je suis hypocrite, moi, jamais d'invité. Ah, comme au moins, il y a un bouc sincère, moi. Hein? On dit pas ça tout le temps? Non? Pourtant, c'est parce que tu vois pas clair. Tu te bouches les yeux et tu dis, je n'ai jamais de la vie, c'est pas bon, ça, c'est pas ça. Pour ça, je te dis, va aimer ces choses-là. Aime qui tu es. Accepte tout ce que tu es. Même ton petit ego là, tu prends ton petit ego. Ton petit bébé, t'inquiète pas. Ah bah voilà, maman. Voilà, t'inquiète pas. Arrange-toi. Va faire dodo, maman. Fais dodo. Aïe, 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 aïe. Non mais. Grande vérité de faire ça. Mais pour avoir cette vérité, pour pouvoir accepter cette vérité, il faut que tu... il faut que tu te dérouilles. Il faut que tu sortes de ton truc. Hein? Il ne faut pas que tu dises, ah non, mais moi, je ne suis pas comme ça, moi, je suis de la vie. Il y a quelqu'un de bien, moi, t'es... Parce que tu vois, tout ce qu'on on veut, c'est l'image. On aime l'image qu'on se donne devant les autres, devant tes amis, que tu te fais embarquer justement, parce qu'il y a l'image. Attention, je suis bien, je suis là, ça va, tu aimes bien, oh, c'est bien, hein, regarde, bien, ouais. Tout le monde dit ouais, oh ouais, oh ouais, c'est bien, oh ouais. Bah, c'est ça notre problème, de ne pas chérir qui on est. C'est ça, connaître soi. Se connaître en toutes les profondeurs, dans les trous les plus sombres et misérables, dans les replis de la conscience. Ça veut dire l'inconscience. Allez dans la conscience, lever les choses comme ça. Allez, prends, viens ici, toi. Tiens, viens ici, comme ça, tu vois. Reste pas là-bas. On va prendre un petit peu de clarté, là. On va nettoyer, on fait un peu d'autre. Tiens, c'est ça, te connaître. Ça demande beaucoup d'énergie. Et jamais de fin. Jamais la fin n'arrive. C'est un truc incommensurable. Et tout ça, ça a permis la liberté d'être. Il n'y a plus rien qui vient te tracasser. J'ai un petit désir qui vient là. T'inquiète pas, mon petit chéri, qu'est-ce que tu veux, toi? Tu vois? Tu le prends par la main, tu l'emmènes, tu regardes, tu vois? Tu désires là? Mais c'est rien, bon, bon. À fumer. Reste tranquille. Et dodo. Tu vois. Ah, tu repasses tout. Tes sens. Tu n'es plus kidnappé par tes sens. Tu fais juste ce qu'il y a à faire. Mais tes sens ne t'embarquent plus. Tu n'es pas prisonnière. Tu n'es pas esclave. Tu es libre. De tout ton mouvement. Tes peurs, tes colères, tes ennuis, tout ça, ça. Mais il faut aller tranquillement. Être super tranquille. Avancer tout ça avec... Parce que, tu sais, entrer dans la conscience, pour aller débusquer toutes ces choses-là, c'est comme si tu avançais dans une clairière où il y a une biche qui est en train de boire de l'eau. Moins de petits mouvements que tu sais. Tu sais comment elle est fragile, la biche ? Elle a peur, elle est apeurée. T'as perdu la beauté de ça. Pour ça, il faut aller vraiment
paisiblement. Tout ton être a besoin de cette énergie-là pour aller en ton temps, le débusquer, regarder bien en face, comme ça, tu sais. Porter vraiment attention, tu sais, faire aucun bruit. Ouvrir ta perception, comme ça. Tu vois, le calme. Comme ça, tu peux faire ça. Pas autrement. Si tu es occupé avec plein d'affaires, si tu fais trop de bruit, il n'y a rien qui reste en paix. Il n'y a plus personne sur la clairière. Elle est déserte. Tu les as fait courir. Donc tu peux rien apprendre. Donc laisse tes émotions être. Laisse-les venir. Laisse-les boire. Laisse-les être. T'inquiète pas. Tu vois ? Laisse-les faire. Et tu les regardes. C'est ça, là. C'est ça, se découvrir.